tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver parce qu'on va enfin faire mon book haul de février 2018. Je sais, j'ai un petit peu tardé, mais promis, ça vaut le détour. Alors du coup, je me suis posé une certaine question en préparant ce book haul parce que voilà, je vais vous montrer 27 livres, 27 livres dans ce book haul et je trouve que ça fait beaucoup, mais en même temps, je vous ai prouvé depuis plus d'un an et demi que je n'arrive pas à moins en avoir, ou pas beaucoup de moins en fait. Et du coup, je me posais la question, est-ce que pour, par exemple, le book haul de mars, si je vois, par exemple, qu'au milieu du mois, j'ai déjà une dizaine de bouquins, est-ce que vous voulez que je vous fasse, finalement, un book haul en deux parties, c'est-à-dire au milieu du mois et un de fin du mois pour, voilà, diviser un petit peu le book haul en deux semaines. Parce que voilà, en ce moment j'ai pas mal de services presse qui arrivent parce que bah, je suis lectrice Charleston, donc forcément tous les livres arrivent en même temps et dans un mois bah, je vais en recevoir rien que 4 ou 5 de leur part et ça fait déjà beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, et puis je ferai un petit sondage sur Instagram aussi, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous intéresse que je fasse deux book hauls dans le mois au lieu d'un seul. Ça serait une vidéo en plus quoi. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté 27 livres à ma pile à lire ou pas, parce qu'il y en a que j'ai déjà lu et heureusement. Mais en tout cas, on va commencer par mes achats, puis j'ai eu un cadeau et puis on finira par mes services presse. Donc tout d'abord, dans mes achats, ils sont au nombre de 16. Je sais, j'ai un petit peu craqué, mais ça fait du bien en fait de craquer, hein. Du coup, le premier livre que je me suis acheté en février 2018, c'était Le Gang des Prodiges, le tome 1 de Marissa Meyer, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne l'ai toujours pas lu et vraiment, je trouve que c'est une honte parce qu'en fait, j'ai voulu l'acheter tout de suite pour le lire tout de suite. Et il est toujours dans ma pile à lire, ça arrive beaucoup trop souvent. Dans cette histoire, on va suivre Nova qui fait partie du camp des super vilains, qui a été vaincu par les renégats. En vrai, vous avez deux camps opposés et Nova, elle n'est pas forcément dans le camp des gentils à la base, vu que ce sont les super vilains. Et voilà, rien que ça déjà, ça m'attirait. J'avais déjà été très attirée par la VO en fait, quand elle est sortie. Et du coup, il me le fallait, c'est un Marissa Meyer, il me le fallait. Il va clairement falloir que je le lise d'ailleurs. Il faut vraiment que je me cale un moment pour le lire. Ensuite, je me suis achetée sur un coup de tête Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui m'a fait de l'œil avec son résumé et puis aussi par le fait que Jennifer Niven, c'est celle qui a écrit Tous nos jours parfaits, que je n'ai pas lu, mais dont j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien. Dans cette histoire, j'ai l'impression qu'on va suivre deux adolescents que personne ne connaît vraiment bien. L'une est obèse, l'autre semble juste sexy, rebelle et bref, très attirant pour tout le monde. Mais en fait, on va découvrir qu'ils sont bien plus que ça. Alors j'avoue que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que franchement ça allait forcément me plaire et j'espère vraiment que ça sera le cas. Ensuite, j'ai acheté Il était une fois le tome 1, donc Nicolas d'Emma Chase aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est un roman qui me faisait de l'œil depuis qu'on l'avait annoncé en fait. Moi, il suffit juste de me parler de romance, de royauté et d'une nana qui a vraiment pas envie de faire partie de cette royauté. Et voilà, en général, je me laisse tenter assez facilement. Je suis très faible de ce côté-là. Je vous ai un petit peu résumé le truc sans forcément vous donner les noms. Mais voilà, on va suivre Nicolas qui doit être le prince héritier. Et on va suivre Olivia qui en a strictement rien à faire qu'il soit le prince héritier. Qui est peut-être la seule à ne pas se courber devant lui. Et évidemment, c'est enfin voilà, c'est un petit peu prévisible quand je vous le dis comme ça. J'espère quand même que ça me plaira. Ensuite, j'ai acheté un manga, c'est le tome 3 de Good Morning Little Briar Rose. Alors je ne l'ai pas sous la main, je l'ai toujours. Mais en fait, j'ai prêté à ma petite sœur qui lit aussi les suites de mangas comme moi. Et je ne l'ai pas encore récupéré, donc voilà, c'est pour ça que vous aurez la couverture par ici. En tout cas, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, j'ai déjà lu ce tome. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog ma chronique. Ensuite, toujours dans les mangas, je me suis acheté le tome 4 de Don't Worry, Be Happy, donc de Kaori Oshiya aux éditions Akata. Alors là, c'est un tome 4, donc je peux pas trop vous en parler. Je vous invite vraiment à aller voir les updates lectures où je parle du premier tome, ma chronique où je parle du premier tome si vous ne connaissez pas encore la saga. Celui-là, je l'ai pas encore lu, mais il sera lu très très rapidement parce que bon, c'est un manga quoi. Ensuite, je me suis acheté le tome 6 de Real Account, donc Chizumu Watanabe et Okusho aux éditions Kurokawa. Alors pour celui-là, j'ai eu un gros coup de flip parce qu'en fait, avec ma soeur, on achète cette saga. Et je retrouvais pas le tome 5 alors que j'avais acheté le tome 6. Et du coup, bon, on s'est dit, ma soeur le trouvait pas non plus, on s'est dit qu'on avait rêvé, qu'on l'avait pas acheté. Et finalement, ma soeur a bien le tome 5 que je n'ai pas encore lu, du coup, il faut qu'elle me le ramène pour que je puisse lire celui-là. Voilà, c'est toute une histoire. Encore une fois, j'ai chroniqué le tome 1 sur le blog et en update lecture, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, j'ai fait un achat que j'avais vraiment envie de réaliser depuis Montreuil, donc depuis 3 mois déjà. J'ai tenu, mais au bout d'un moment, je finis par craquer, quoi.
je me suis acheté The Irregular at Magic High School, donc le tome 1 au roulement de Tsutomu Sato aux éditions Ofelb. J'avais pas mal discuté avec le jeune homme qui était au niveau des éditions Ofelb à Montreuil avec ma sœur, et je vous avoue que celui-là il me faisait vraiment vraiment envie, mais j'avais déjà acheté plein de livres ce jour-là, donc je m'étais dit non, arrête là, ça suffit. Et voilà, maintenant il est dans mes mains, il est en plus sous blister, je l'ai pas encore commencé bien évidemment comme d'habitude, mais j'ai trop envie. L'histoire se déroule en 2095, 30 ans après que les magiciens aient mis fin à la Troisième Guerre mondiale. On va suivre Tatsuya et sa sœur Miyuki qui sont dans la plus grande école de magie, la plus prestigieuse. Et en gros, on va les suivre dans cette école et j'avais trop envie de le lire. Et quand je l'ai acheté, la vendeuse, enfin la caissière m'a dit « Franchement, il est trop bien, vous faites bien de l'acheter ». Donc voilà, je sens que je vais vous en parler dans pas trop trop longtemps, en tout cas je l'espère. Ensuite, un achat que je ne suis pas prête de regretter, je me suis acheté La boîte à musique de Guy G et Carbone, donc aux éditions Dupuis, c'est le tome 1, Bienvenue à Pandorian, et je l'ai déjà lu, et j'en ai déjà parlé dans un update lecture et sur une chronique, donc je vous invite à aller les voir, c'était trop bien, c'était super beau et c'était super mignon. Je vous dirai pas trop l'histoire parce que clairement il faut surtout se laisser tenter par la superbe illustration de couverture. Même derrière, c'est beau. Et j'avais pas vu, mais il y a un reflet. Voilà, vous allez le voir un peu. Il y a le reflet de la petite fille dans le dos. Bref, il est super bien. Je découvre un nouveau monde très mystérieux. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que c'était super bien. Ensuite, j'ai fait un petit achat VO du mois. Du coup, je me suis acheté Rain the Earth de A.C. Gauguin aux éditions Bloomsbury, donc c'est du hardback, il est juste magnifique. Alors rien que déjà la couverture, quand je l'ai vue sur les chaînes de booktubeurs américains, j'avais trop envie de le lire déjà, et ensuite quand vous lisez le résumé, vous êtes forcé de l'acheter, ça a été obligatoire, je l'ai acheté en 5 minutes je crois. Cette histoire se déroule dans un monde où en gros certaines personnes peuvent maîtriser les différents éléments, donc l'eau, l'air, la terre, le feu. Et on va suivre Shalia qui a le pouvoir de la terre et j'en sais pas beaucoup plus en fait, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Pour l'instant je suis dans un autre livre en VO donc c'est pas pour tout de suite, mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop trop bien, c'est la saga Vie Elementée et ça fait trop envie. Ensuite j'ai continué mes achats France Loisirs avec ces deux tomes en un, donc j'ai les tomes 3, 4 et 5, 6 de He is a Beast de Saki Aikawa, donc aux éditions France Loisirs. C'est pas cher, ça coûte je sais plus 6€ le tome, donc en gros vous avez deux tomes en un, 6€ les deux tomes en gros, et du coup c'est plutôt cool, c'est pour ça que je craque aussi pour ça. Ensuite j'ai eu le bonheur d'aller dans une librairie avec Stéphanie de Piggity Bookin qui m'a dit regarde celui-là, je l'ai franchement bien aimé, alors pas forcément sur le coup mais a posteriori j'arrêtais pas d'y penser, il faut absolument que tu le lises, et la seule chose que j'ai pu dire c'est ok, je l'ai pris et je suis allée à la caisse directement, je me suis pas vraiment posé de questions. En général Stéphanie quand elle me conseille quelque chose, elle vise juste. Du coup je me suis pris tout ce que je ne t'ai pas dit de Kylie Fornacier, donc aux éditions Fleurus. Je ne connais pas encore les éditions Fleurus, mais ça sera un vrai plaisir de découvrir ce livre. Dans ce roman, on va suivre Piper qui souffre de mutisme sélectif, encore une fois évidemment, ça m'attire. Elle va rencontrer West, le joueur de foot assez populaire, et celui-ci va pas vraiment comprendre pourquoi elle peut pas parler. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'ils allaient quand même se lier, même si elle n'arrive pas à communiquer en fait par la parole. Et j'ai hâte de lire ça en fait parce que voilà, j'ai lu Et plus si affinité de Sarah Barnard. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo aussi et une chronique si vous voulez aller voir. La jeune fille était aussi atteinte de mutisme sélectif mais j'étais un peu restée sur ma faim quoi. C'était pas vraiment développé comme je voulais donc j'espère que cette fois-ci ça sera le cas. Ensuite j'ai trouvé d'occasion Si c'est pour l'éternité de Tommy Wallach. Voilà, je sais pas trop comment ça se dit, donc chez Nathan, je l'ai vu traîner un petit peu partout ce mois-ci, j'avais trop envie de le lire, donc quand je l'ai trouvé pas très cher, clairement j'ai foncé. Dans cette histoire nous allons suivre Parker qui a 17 ans, qui lui non plus n'a pas prononcé un mot depuis 5 ans, décidément il y a beaucoup de livres sur le mutisme en ce moment, et en gros sa vie va totalement changer au moment où il va rencontrer Zelda qui est cette drôle de jeune fille. Et voilà, j'avais pas besoin d'en savoir beaucoup plus pour me l'acheter, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et puis chez le même vendeur j'ai trouvé Gary Cook, donc le tome 1, Le Pont des Oubliés de Romain Quirot et Antoine Jonin aux éditions Nathan. C'est un livre qui me fait envie depuis sa sortie mais j'attendais de le trouver d'occasion en fait, tout simplement. Il y a des livres comme ça, je me dis oui d'occasion ça va aller, et voilà, c'était chose faite. Du coup dans cette histoire nous allons suivre Gary Cook qui vit dans un monde apparemment recouvert par les flots, et en gros la seule échappatoire sur cette terre là c'est d'aller dans l'espace, et du coup voilà, j'avais pas besoin d'en savoir beaucoup plus
J'avais juste envie de le découvrir. Donc j'espère pouvoir le sortir de ma balle bientôt. Ensuite, avant-dernier achat de février, je me suis acheté La couleur du mensonge d'Erin Beattie aux éditions Lumen. Si vous avez vu la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, vous saurez que ça a été un coup de cœur. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder si vous voulez en savoir davantage. Étant donné que j'ai fait toute une vidéo sur ce livre, je ne vous en dirai pas plus, à part découvrez-le, il vaut vraiment, vraiment le coup. Et enfin, en février 2018, je me suis aussi acheté Les Belles, donc le tome 1 de Danielle Clayton, donc aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il est encore sous blister et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce que voilà, ça m'attirait beaucoup. En fait, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui est l'une des Belles, et en fait les Belles, elles peuvent transformer et rendre beau. Et voilà, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas trop ce qu'il en est. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui l'ont même pas fini. Du coup, j'aimerais bien me faire mon propre avis. C'en est enfin terminé pour mes achats. Je vais vous présenter donc le cadeau que ma maman m'a fait ce mois-ci. Elle m'a acheté le tome 1 de I'm, je sais pas comment ça se dit, Great Priest Imhotep de Makoto Morishita aux éditions Kiyun. C'est un manga qui me fait envie depuis que je suis allée à la Japan Expo, parce que voilà, ils en parlaient déjà, ils faisaient tout le teasing à ce moment-là et ça me faisait super super envie. Dans ce manga, tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre Imhotep, donc le grand prêtre sorcier de l'Égypte ancienne, qui va arriver de nos jours parce que voilà, il a été plongé dans un grand sommeil par les dieux. Et bref, rien que ça, rien que le fait que c'était en rapport avec l'Égypte ancienne, j'avais juste envie de le lire. Donc j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus parce que ça reste un manga, c'est court, ça va vite, et du coup je vous en dirai davantage une fois lu. Ensuite j'ai reçu donc des éditions Albin Michel mais via Next Romance, donc Morse, je sais pas comment ça se dit, le tome 1 et le tome 2. C'est écrit par J.A. O'Neill, et voilà, je suis en pleine lecture du tome 1, je vous en parlerai davantage une fois lu. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est que c'est de la romance érotique. Donc voilà, c'est assez osé, hein, clairement. Je suis aux trois quarts du premier et je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux quand même et ne pas être trop jeune, hein. Bon voilà, je finirai sur ça, je vous en dirai davantage une fois lu. Des éditions Le Duc, j'ai reçu 1 million de lettres d'espoir de Jodi Ann Bickley aux éditions donc Le Duc. Dans ce roman, on va surtout suivre en fait l'histoire de Jodi Ann Bickley, qui est très appréciée de Ed Sheeran d'ailleurs, je pense que c'est très important de le noter. Et voilà, j'ai lu à peu près la moitié du roman. Pour l'instant, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup, je trouve ça très touchant, je trouve ça très intéressant. En fait, Jodi va être atteinte d'une maladie qui va radicalement changer sa vie. Et plutôt que de se morfondre ou de déprimer, elle va créer un site web en encourageant les gens qui vont pas très bien, qui eux aussi traversent des grandes épreuves difficiles dans leur vie, même des petites épreuves, hein, peu importe. Elle va les encourager à lui écrire et elle s'engage à répondre par une lettre manuscrite. Parce que voilà, tout est bien plus touchant de façon manuscrite. Et donc voilà, ils se sont 1 million de lettres d'espoir, c'est ce qu'elle a écrit je présume. C'est énorme, je trouve que c'est vraiment vraiment beau et voilà, je trouve ça très touchant et j'ai hâte de pouvoir vous en parler davantage une fois que je l'aurai terminé. Ensuite j'ai reçu des éditions L'Archipel, Le Pays du Soleil Rouge d'Elisabeth Aran, donc chez Archipoche. C'est un livre que j'ai déjà en grand format, en fait je l'avais acheté l'an dernier. Du coup bah, celui-là il atterrira très certainement au concours, hein. Je vais pas garder deux fois les mêmes livres. En gros l'histoire se déroule en 1941 et on va suivre Lara qui va être menacée d'aller en prison et qui va préférer aller en Australie. Alors elle est enseignante et elle va arriver en Australie dans un endroit où il n'y a pas d'école et en plus il y a plein de crocodiles, il y a plein de trucs horribles. Ça me faisait beaucoup penser au roman de Sarah Lark, vous savez, Les Rives de la Terre Lointaine, que j'avais adoré et du coup c'est pour ça que je l'avais acheté. J'ai hâte de le lire parce que ça fait quand même un an que je l'ai dans ma pile à lire, donc il serait peut-être temps. En fait. Ensuite j'ai reçu Le Jardin de l'oubli de Clarisse Sabar, donc aux éditions Charleston, dans le cadre de notre partenariat en tant que lectrice Charleston 2018. C'est un livre que j'ai chroniqué sur le blog, je ferai une vidéo bientôt concernant les parutions Charleston de février avec mon avis, parce que je suis un peu en retard, voilà. Mais sachez que ça a été un petit coup de cœur pour moi. J'adore Clarisse Sabar, elle me transporte toujours autant dans ses livres, c'est vraiment fou. Dans ce roman, on va suivre Faustine qui est une journaliste qui va retourner dans l'arrière-pays niçois et qui va finalement découvrir un petit peu ses origines via Agathe qui en 1910 est une repasseuse dont la vie est totalement bouleversée au moment où elle rencontre la belle Otero. Voilà, c'était juste génial, on repart encore dans une quête d'origine. Donc en gros, c'est de la bombe et il va falloir foncer
pour aller le découvrir. Ensuite, j'ai aussi reçu la version poche de La plage de la mariée, donc de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. C'est un livre que j'avais déjà en grand format, que j'ai découvert cette année, que j'ai encore adoré. Comme je vous l'ai dit, tous les livres de Clarisse Sabar, je les ai adorés. Donc clairement, si vous cherchez une auteure qui peut vous plaire dans la quête d'origine, les histoires familiales et tout ça, il va falloir vous intéresser à Clarisse Sabar. Dans cette histoire, on va suivre Zoé qui part elle aussi à la quête de ses origines, mais en fait qui va aller jusqu'en Bretagne alors qu'elle vient du sud, et elle va partir pour découvrir en fait qui était son père biologique, parce que voilà, ses parents viennent de décéder dans un accident de voiture, je crois. Bref, ils viennent de décéder et sa mère, sur son lit de mort, lui dit simplement la plage de la mariée. En gros, elle lui dit avant que son père n'est pas son père biologique, et elle lui dira simplement la plage de la mariée pour retrouver son père biologique. Super facile. Du coup, Zoé arrive en Bretagne où il y a justement cette plage de la mariée et elle va découvrir tous les secrets sur sa famille, et c'était trop bien. J'avais presque l'impression d'être en Bretagne avec elle à chercher son histoire familiale, et franchement, je vous le recommande aussi chaudement. Ensuite, j'ai aussi reçu des éditions Charleston, donc Trois filles et leur mère de Sophie Carquin. C'est un livre dans lequel on va suivre Marguerite Duras, Simone de Beauvoir et Colette. En fait, on va nous raconter l'histoire de ces jeunes filles, mais surtout leur relation avec leur mère. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé les analyses psychanalytiques très très simples, hein, y a aucun problème, de Sophie Carquin. Vraiment, pour le coup, c'est un livre que j'ai adoré découvrir. Et voilà, pourtant je suis pas une grande fan de ces trois grandes femmes, pour le coup, mais je pense que leur histoire mérite d'être connue, et leur relation à leur mère est tellement pathologique qu'elle est vraiment géniale à découvrir. Donc c'est un roman que je vous conseille aussi, bien sûr. Et puis j'ai reçu Bon retour à la maison de Debbie Macomber, donc aux éditions Charleston. Regardez-moi cette couverture, comme elle est belle. J'adore, je kiffe cette couverture, elle est trop belle. Dans cette histoire, nous allons suivre Cassie. Cassie qui était très proche de ses sœurs étant enfant et qui a finalement dû partir. À 31 ans, elle doit totalement recommencer sa vie et elle va être amenée à revoir ses sœurs, à renouer un petit peu avec sa famille, et on va découvrir plein de choses, et c'était trop bien, et j'ai peur de vous en dire trop, donc je vais arrêter ici mon résumé. Mais voilà, enfin, je trouvais ce roman vraiment très très bien, et maintenant que je l'ai entre les mains avec la couverture absolument magnifique, j'ai quasiment envie de le relire. Vous voyez, c'est ça m'attire carrément, et je vous le conseille aussi, bien sûr. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai reçu des éditions Charleston, décidément, comme je vous l'ai dit, j'ai été méga gâtée, j'ai reçu La sœur à la perle de Lucinda Riley. Donc en gros, c'est le tome 4 de la saga Les 7 sœurs, c'est toujours chez Charleston, et j'ai adoré. J'avais pas du tout lu les 3 premiers tomes des 7 sœurs, c'est pas du tout obligatoire, j'ai compris sans problème La sœur à la perle, c'est une petite brique que j'ai dévorée en quelques jours, tellement c'était bien, c'était vraiment trop bien. On va suivre Sissi qui, à la mort de son père adoptif, va partir en quête de ses origines d'après les indices qu'il lui a laissés. Enfin bref, je vous le conseille vraiment que vous ayez lu et adoré les 3 premiers tomes, ou pas du tout comme moi, parce que la preuve, ça ne m'a pas du tout dérangée. Et enfin, le dernier service presse et le dernier livre de ce book haul, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Pocket Jeunesse. C'est le premier que je reçois de leur part, enfin vraiment de leur part. Avant, c'était aussi par Cultura que j'avais reçu Warcross. Et du coup, j'ai reçu Sherlock et Moria, donc de Riley Pearson, donc le tome 1, l'initiation, donc aux éditions Pocket Jeunesse. C'est ma lecture en cours, comme vous le montre ce petit marque-page. Je l'ai commencé en lecture commune, et je vais voir un petit peu ce que ça donne. En fait, dans cette histoire, on va suivre Sherlock et James Moriarty à l'adolescence, alors qu'ils sont à l'internat de Baskerville, et en fait voilà, ils vont être obligés apparemment de coopérer, et la couverture est juste magnifique, et je vous en dirai davantage une fois que je l'aurai terminée, vu que je l'ai déjà commencé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous le voyez, elle était quand même assez longue, j'avais quand même 27 livres à vous présenter, donc clairement n'oubliez pas en commentaire de me dire si vous voulez que je fasse 2 book hauls dans le mois, s'il y en a autant que ça ou pas. Voilà, dites-moi si ça vous dérange pas que ça soit aussi long, vous pouvez aussi le dire, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner si ça n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à me dire surtout en commentaire si vous êtes attiré par les livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.